Bon ben, bon voilà, vous êtes arrivé au bout des 4 jours. Ça, donc, c'est pas fait tout seul. Hein. Qui c'est qu'on on voilà, en peut plus. On a peut qui plus, Anne, Irina, Anne avec son chéri Pierre, ou c'est qui est avec l'autre? Bon, au départ j'étais avec elle, et puis ouais. Là, aujourd'hui elle est bien avec moi. Donc voilà, vous avez passé 4 jours. On va démarrer par vous deux. Le projet, c'est quoi? On a un beau projet avec un beau ouais. Bateau qui se trouve sur la Seine, ouais. En région parisienne, du côté de Mantes-la-Jolie. D'accord. Mantes-la-Jolie, qui est très jolie. Ouais. Et puis surtout, on est amoureux des crêpes. Ouais. Et on s'est dit, c'est Anne qui un matin s'est levée en disant, on sent, mais c'est ça qu'il faut qu'on fait. Ouais. Il faut qu'on fait des crêpes. Non, parce que, quand même, juste la précision, c'est que toi, tu connais le commerce de la restauration, etc., sans être cuisinier toi-même. Certes. D'accord. Et par contre, Anne, ses métiers, rien à voir. Par contre, elle cuisine. Par contre, pour le plaisir, elle est cuisinière. D'accord. Ah oui, c'est bien. Et donc, le fait d'avoir vécu, cette formation à deux, qu'est-ce que vous en retirez voilà, au bout de 4 jours, c'est quoi? Est-ce que les idées, initialement, dans la tête, c'est par rapport à un projet, aujourd'hui, ça s'est un peu déformé ou ça se concrétise d'une autre manière? Comment ça se passe? Bah, je dirais qu'on avait plus un projet, comment dirais-je, au niveau de la cuisine, on n'avait pas d'avis, enfin, on ne savait pas trop en fait, ouais. Très pire, on ne savait pas. Par contre, on est parti en se disant qu'on s'informe de rien, on vient là comme des débutants et puis on apprend ensemble. Et du coup, on s'était dit on va se laisser guider aussi par ce que tu allais nous dire, sur les conseils que tu allais nous donner. Donc on n'avait rien arrêté au niveau de la cuisine. Ouais. Et du coup, voilà. En tout cas, là, on repart avec des... En fait, on est finalement assez fidèle à ce qu'on avait imaginé. D'accord. On est arrivé en se disant il faut qu'on apprenne les fondamentaux, qu'on reste sur des choses simples. Ouais. Alors, effectivement, on a on garde de bateau. Ouais. Déjà, on garde de bateau. Il va cuisiner, c'est un gros bordel. Et on ouvre simple, des bons produits, l'accueil, bien évidemment. D'accord. Et ce dont on avait vraiment envie, c'était de s'amuser. Et là, on vient d'apprendre des choses dans la joie et la bonne humeur. On s'est bien amusé. Ouais. Et on a envie que cette cuisine soit joyeuse et qu'on régale les gens par le fait que nous aussi, on a du plaisir. Et de le faire à deux, c'est génial. Quoi. Ouais. Bon, pour tout vous dire, au départ, c'est une idée de Anne, la formation. Ouais. Elle est très formation. Anne, hein. Quand elle veut faire un truc, elle va à l'essentiel, dans plein de domaines. Et là, elle me dit, on pourrait la faire ensemble et tout. Évidemment, j'ai pas dit non. Ouais. Mais c'était pas une idée à moi, tu vois. Moi, ouais. je suis un mec, tu vois. Tout à l'heure, je me suis dit, on va me montrer parfois, mais ça va le faire. Oui, puis t'es pas à la pâte 6 semaines. Je ne te le fais pas dire. Je suis connu de la dernière averse. Bon, mais du coup, je me suis dit, elle a tellement raison. C'est comme à chaque fois, d'ailleurs. Quand elle me dit un peu comme ça, pas immédiatement, et puis je ne mets pas longtemps à me dire, mais d'accord. Elle a complètement raison. Et je suis ravi d'être venu. Prenez le CD social. Bon, et on passe à Irina. Irina, toi, t'as un projet déterminé, c'est... Absolument. Toi, c'est traverse l'Atlantique, toi. Oui, toujours sur un bateau. Non, oui, c'est vrai, c'est très bateau. Donc, voilà, j'ai l'impression que tu reçois beaucoup de gens qui rencontrent des bateaux. Hein, depuis quelques temps, oui. Non, des projets bateaux, mais sérieux. C'est voilà, ça, toi, c'est... Non, plus sérieusement, en fait, on a décidé de changer de vie avec mon mari. Donc on a acheté un bateau, un bateau sur lequel on va vivre. Et on compte quitter donc la France. Ouais. On compte se sauver, en fait. On n'a pas payé nos impôts. Et qu'il y a trop de jaune en ce moment. Voilà, tout à fait, Thierry. on comptait... Donc, mon mari s'est formé à la maintenance des bateaux de plaisance. Ah, c'est ça. Voilà. Il a passé 2 mois aux Antilles, donc à explorer un petit peu le terrain là-bas pour imaginer ce qu'on pourrait peut-être faire. Ouais. Donc, et moi, je me suis dit, il faut que je fasse un métier un petit peu itinérant, je puisse accompagner, ça va être près d'un port, j'ai essayé de me lancer dans la plongée sous-marine. Ouais. Bon, ça a été un échec, donc un jour, comme ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je trouve un truc simple, mais que j'aime. Ouais. Et je me suis dit, j'aime faire des crêpes à la maison. J'aime les manger. C'est ce que tu disais, ouais, c'est... Donc pourquoi je ne ferais pas tout simplement quelque chose que j'adore faire des crêpes. Oui, parce que toi aussi, tu n'es pas issu du milieu de la restauration, mais t'aimes faire la cuisine. Ah, oui, du tout. Moi, j'ai du milieu d'industrie pharmaceutique, j'étais déléguée médicale à la base. Ouais. Maintenant, je suis maman au foyer depuis quelques temps.
Et c'est vrai que j'avais envie de changer de voie et puis voilà, partir à l'aventure, avoir un métier un petit peu itinérant avec de la liberté. Ouais, ouais. Le fait de venir chez toi m'a permis de préciser un petit peu ce que je veux faire parce que c'est vrai qu'il y a 4 jours, je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, quel type de commerce entreprendre. Et finalement, je me rends compte que j'irais plus vers de la vente à emporter, quelque chose de qualitatif, mais de la vente à emporter, quelque chose de simple, de rapide. C'est bien, je souffre un peu ce que. Bon, j'ai toujours le takeaway, quoi, mais ce qui n'empêche pas que ça fait des ouvertures, soit pourquoi pas à gérer un événementiel, un truc, des choses comme ça. Tout à fait. Soit gérer l'événementiel, soit l'activité marchera bien. Ouais. Et à ce moment-là, peut-être que je me sentirai m'installer. Quitte à prendre une crêperie plus tard. Mais déjà de faire la main avec de la vente à emporter et puis commencer tout doucement. Tout petit, important. Et puis dans une zone touristique, donc puis la crêpe ça marche. Non mais c'est bien. En tout cas, moi je vous remercie de ce passage ici. J'espère que vous en avez retiré tout ce que vous vouliez. Peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien. C'est vous qui le Certainement moins. Non voilà, non, moi j'ai une formation qui va au fil de l'eau, sans jeu de mots, parce que vous êtes sur les bateaux, mais au fil de l'eau, pour que ce soit du ressenti tout le temps, des choses. Aller plus loin. Donc, si j'ai atteint ça, tant mieux. Vous allez rejoindre les compagnons crêpiers dorés. Et puis après, moi, je vous dis belle route. Merci d'avoir partagé 4 jours avec moi. Bah, écoute, moi, je tenais à te remercier parce que ça a été intense, en rigolade, en émotion, en apprentissage. On s'est éclaté. Bon, tu as choisi des gens puisqu'ils étaient compatibles entre eux. Je suis mettre des personnes qui arrivent à s'entendre. Ouais. Donc, du coup. Je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté. Et puis, sans compter que vous êtes la première session que j'anime en ne mangeant ni une seule crêpe, ni une seule galette, du fait qu'en ce moment je ne peux pas. Et donc ça peut paraître un peu louche quand même. Le mec qui vend du savoir, il mange pas. Mais ce on truc. Comprend. on t'a poussé le gendarme parfois parce que tu avais tendance à vouloir craquer. Par contre, on aurait tendance à vouloir revenir chez toi. Mais ça ne sert à rien parce qu'effectivement, les 4 jours sont suffisants pour apprendre ce nouveau métier. C'est gentil, merci. Et après, comme je le dis tout le temps, et je finis là-dessus, le SAV, il reste ouvert, on m'appelle, et puis... Oui, je pense qu'on vient bien sûr. Ouais. Ouais, faire un petit film. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous embrasse. Merci. Merci.